Alpine, Ringard, Naze de chez Naze, Nulos, Minable, la loose. Qu'est-ce que tu fais, Wendy? Ça se voit pas. Cherche une tenue qui déchire. Ah, une tenue qui déchire quoi? T'es trop mignonne, Marinou. Demain, c'est le grand bal de l'été à Pommes-les-Vins. La teuf la plus cool de l'année. Oh, j'ai trop hâte d'y être. Et je vais être la plus belle pour plaire à mon Maxence. Mais le problème, c'est que j'ai vraiment rien à mettre. Ah, j'ai compris. Tu veux une nouvelle robe? Je sais exactement ce qu'il te faut. Sortir pour s'acheter une robe. Quoi? Le jeu, c'est de pas toucher le fil, sinon il y a les yeux du monstre qui s'allument. C'est pas méga délire, ça? Ouais, ça a l'air génial, papa. Là, je suis bluffée. Merci, les filles, je savais que ça vous plairait. J'adore. Bah, qui compte pas sur moi pour m'électrocutationner avec son truc débilos de Frankenstein? En tout cas, moi, j'irai danser au bal avec toi. C'est ça, dans tes rêves, poulet. Et si, regarde ce que je viens de nous commander. C'est la robe de l'impératrice princesse du Ninivers. Non mais, c'est juste trop moche. Mademoiselle Marine, c'est ici? Waouh, les robes que j'ai commandées. Merci, monsieur. Tu peux tout de suite arrêter de rêver. Compte pas sur moi pour porter une horreur pareille au bal de l'été. Alors là, je te préviens. Maintenant qu'on a reçu les robes, t'as intérêt à mettre la tienne. Parce que je les ai payées sur le Ninternet avec la carte bleue de maman. Et je dirais que c'est toi. Je nage en plein cauchemar. Mon père se prend pour Frankenstein, ma débilose de sister pour l'impératrice trucmuche de l'univers. Et le plus flippant, c'est que je vais être obligée de m'habiller comme elle. Arrête, Wendy, tu crois pas que t'exagères un peu, là? Attends, tu la connais pas? Elle finit toujours par obtenir ce qu'elle veut. Je te le dis, moi, elle est diabolique. Mais enfin, t'as qu'à juste refuser de la porter, cette robe, et puis c'est tout. T'as raison, fini la dictature de la morpionne. Je vais lui montrer, moi, qui c'est la grande sister. Mal regarder la photo. Je suis trop impatiente de la mettre pour aller au bal avec toi.
trottoir. Vomi craché juré. Vomi craché juré. C'est vrai? Ok, bon bah t'auras tout le temps de l'essayer demain alors. Bonne nuit. Chocolat, cornichon, miel, camembert, confiture, ketchup. Yop. Ok Samy, boulet occupé, rendez-vous dans 5 minutes. T'as si peur que ça de ta sister quand même. J'hallucine, c'est rien qu'un petit microbe. Un gros virus, ouais. La peste et le choléra déguisée en blonde. Elle veut m'obliger à m'habiller comme la reine des quiches. Quand elle va comprendre qu'elle se met le doigt dans l'œil, je te raconte même pas comment elle va disjoncter. Regarde ce que je t'ai apporté. Elle déchire grave, tu trouves pas? Waouh. Merci Samy, t'es génial. Avec une robe comme ça, on va voir que moi sur la piste de danse. Waouh. Et comment tu vas gérer ta sœur? Qu'est-ce qu'elle va dire quand elle verra que t'as pas mis sa robe? Elle verra pas parce que je vais m'arranger pour qu'elle vienne pas au bal. Espèce de sale trahisseuse, tu vas la mettre quand même en robe de princesse, c'est moi qui te le dis. Marine, Wendy, je pars installer mon stand de Frankenstein à la kermesse. Vous me rejoignez là-bas plus tard? Flippa! C'est à cause de toi si le stand de papa il est cassé maintenant. Oh l'autre, même pas vrai d'abord. C'est toi
se disputer. Parce que le truc, c'est qu'après la disputation, on s'adore encore plus. Alors juste laissez tomber, ok? Vous pouvez pas comprendre ça. Et voilà, c'est réparé. C'était juste les plombs qui avaient sauté. Allez, que la fête recommence. Approchez, messieurs, dames. Venez défier les docteurs Frankenstein. Tu viens, on va danser. C'est vrai? Tu veux bien? Mais oui, bien sûr. Allez, viens, on va s'éclater. Je t'adore, Wendy. T'es ma sister unique et préférée du monde entier. Toi aussi, Marine. T'es ma petite sister que j'aime d'amour. Tu sais, c'est peut-être pas trop tard pour la mettre ta robe de princesse. Non, je la mettrai pas. Oh là là, toi, quand t'as une idée quelque part... Princesse Vomito. Mais doudou, je crois que le burger chocolat sardine ananas, c'était pas une very bonne idée. Mon ventre, il fait le même bruit que l'évier quand il est tout bouché. Mais c'est les risques quand on fait des expériences. Ouais, bah l'expérience, elle va finir dans les toilettes. Ça va, Wendy, je suis pas malade. Je suis la reine de la gastronomie. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Rien, il y a Marine qui est pas malade. Dis-lui de venir à table, j'ai préparé des crêpes saucisses confiture.